Salut peuple de Dieu. Aujourd'hui là, je vais vous parler de mon expérience. Je suis avec Dieu, les anges de Dieu. Je vais vous parler des récompenses dans le ciel pour ceux qui servent Dieu. Je vais vous parler aussi du jugement de Dieu et ce que Dieu m'a, le message que Dieu m'a donné de partager avec ses enfants sur la terre. Bon, dans une vision, je me suis retrouvé avec les anges de Dieu. On allait au ciel. Nous sommes arrivés au deuxième ciel. Comme je vous ai toujours dit, le deuxième ciel, c'est là où Satan a son trône. Il y a beaucoup d'esprits mauvais là-bas. Et j'ai vu les anges de Dieu commencer à bagarrer avec Satan puisqu'ils voulaient traverser pour aller au troisième ciel. Et on peut regarder ça dans le livre de Daniel. On a vu que l'ange de Dieu, quand il est sorti du ciel pour venir sur la terre, il y a Satan qui l'est bloqué. Donc, nous aussi, pour aller au ciel, là, il y a Satan qui nous est bloqué. Donc, il fallait que les anges de Dieu puissent bagarrer pour qu'on passe. Ça, c'est le deuxième ciel. Et moi aussi, en esprit, j'avais un peu le pouvoir. J'ai aussi bagarré et nous sommes allés au troisième ciel avec l'ange de Dieu. Quand nous sommes arrivés au troisième ciel, nous sommes ancrés. Et quand nous sommes ancrés, j'ai vu qu'il y avait des gens au troisième ciel. Parce qu'au troisième ciel, c'est là, quand on est sauvé, on part. Le deuxième ciel, ça, c'est là où Satan a son trône. Et je peux même dire que le deuxième ciel, c'est l'enfer là-bas. Parce que quand Lazare était au ciel, il a vu le riche en enfer. Je pense que l'enfer, le paradis, c'est face à face. Et moi, je pense que c'est au deuxième ciel, quelque part là-bas. Donc, nous sommes arrivés au troisième ciel. Nous sommes ancrés. Et j'ai vu, il y avait des gens là-bas qui marchaient, ils allaient à gauche, à droite, il y avait des maisons et tout ça là. Bon, c'était des maisons aussi simples, voilà. Et j'ai vu un jeune homme là qui était assis, je me suis approché à côté de lui, je lui ai salué, comment tu vas, ça va, et comment le ciel, il m'a dit ça va, qu'est-ce que tu fais, il m'a expliqué, tu dors où, il m'a montré là où il habite. J'ai regardé sa maison là où il habitait, c'était des appartements qui sont conçus et... C'était comme s'il y avait beaucoup de gens qui habitaient là-bas. Et aussi, ma mon là où il mange souvent, tout cela. Et ce monsieur-là, sur la tête, c'est quelqu'un qui il avait l'habitude de chanter pour Dieu. Donc, il m'a parlé de la musique dont il a composé. La musique, c'était « Dieu est mon père, Dieu est ma mère, Dieu est tout pour moi ». Donc, il s'est mis à chanter. J'ai dit que c'est toi qui as composé ça. Il m'a dit oui. Et après ça, j'ai vu deux anges de Dieu qui sont venus à côté de moi. Ils ont aussi commencé à chanter cette chanson-là. Et l'ange de Dieu m'a dit aussi de chanter. Et j'ai commencé à chanter. L'ange de Dieu m'a dit, c'est une bonne chanson, il faut que tu chantes. Je me suis mis aussi à chanter, Dieu est mon père, Dieu est tout pour moi, Dieu est ma maman, il est tout pour moi. Et en même temps encore, je me suis retrouvé entre les mains de Dieu. J'étais comme un bébé. Et on me donnait le lait, quoi. Parce que j'étais en train de chanter, Dieu est mon père, Dieu est ma mère, Dieu est tout pour moi. Donc je suis devenu un enfant. Mais dans ma tête, je disais non, je ne suis pas un enfant, moi je suis un vieux. Mais en même temps, Dieu me donnait le lait, quoi, comme un bébé. Et dans la bouche, c'était comme le lait des bébés, là. Donc, et au fur et à mesure, je chantais ça. Et l'ange me dit, c'est une bonne chanson. Et l'ange de Dieu me dit, il faut chanter. C'était deux anges, c'était différent de tous les anges dans le ciel. Et aussi, ils étaient habillés différents. Et ils m'ont dit, viens, on va aller voir Dieu. Et je me suis levé, j'ai laissé le gars là, et je commençais à marcher avec eux. Ils m'ont dit, arrête-toi. Je me suis arrêté. Ils ont d'abord nettoyé mon corps. Ils ont dit que les vêtements que je portais, ce n'était pas bon pour aller devant Dieu. Ils sont venus avec un vêtement blanc. Ils m'ont mis ça et ils ont dit, allons-y. Et on a commencé à marcher. Quand on marchait, on chantait. Je chantais. L'ange de Dieu a dit, il faut que je chante, quoi. Je chantais, Dieu est tout pour moi. Dieu est mon espoir. Dieu est ma force. Dieu est mon père. Dieu est ma maman. Dieu est tout ce que j'ai. Donc, je chantais ça. J'avançais avec l'ange. Et puis, bon, j'étais dans la joie que je ne regardais même plus les anges, quoi. J'ai commencé à marcher vite devant. Je suis parti. Il y avait deux routes. Il y avait une route qui allait à gauche. Il y avait l'autre qui allait à droite. Bon, moi, je suis allé tout droit. Et après, j'ai réalisé que j'étais seul. Je me suis tourné là. Je regardais derrière pour voir là où il y a les anges. Les anges étaient plutôt à droite. Ils ont dit que non, la route, c'est pas ici là. Je suis rentré vers eux. J'ai dit, ah, je suis désolé. Moi, je ne vous ai pas vu. Voilà pourquoi j'ai pris cette route. Ils m'ont dit non, c'est bien pas ici là. Et quand les anges ont disparu, j'ai vu qu'après, quand ils ont encore apparu, eux-mêmes aussi, les vêtements aussi, ils avaient changé les vêtements. Ils étaient tous aussi en blanc, comme moi, j'étais aussi en blanc. Ils ont dit, suis-moi. Mais ils ont pris le devant. Ils ont commencé à avancer. Moi, j'étais derrière eux. Il y avait aussi un autre gars qui était derrière moi. Et plus qu'on s'avançait vers le trône de Dieu, j'ai vu qu'il y avait des maisons là-bas exceptionnelles qui étaient bien construites, qui étaient plus meilleures, bien bâties, avec le diamant, avec de l'or. Il y avait des décorations, c'était des maisons majestueuses, c'était vraiment, c'était là, c'était très, très super.
comparé à les maisons que j'ai vues à l'entrée du paradis, là où j'ai d'abord trouvé celui-là qui m'a dit qu'il a composé une chanson pour Dieu quand il était sur la terre. Là-bas, c'était des maisons un peu normales, un peu des gens simples habitaient là-bas. Mais quand on allait plus vers la ville, il y avait des maisons, des vraies maisons là-bas, bien bâties. Et dans ma tête, j'ai commencé à penser, je pense que c'est l'Esprit de Dieu. Mon cerveau a commencé à me parler parce que quand tu es avec Dieu, c'est comme s'il te parle dans tes pensées. Que la maison que les maisons que tu vois là, ça, c'est la maison des prophètes, des gens qui ont servi Dieu, vraiment, qui ont fait tout, ils ont suivi le Saint-Esprit, ils ont servi Dieu avec tout leur cœur, ils étaient juste dans toutes les voies, ils ont obéi au commandement de Dieu, ils étaient parfaits. Leur maison était spéciale et leur maison était tous conçue à côté du trône de Dieu. Donc, les maisons qui étaient là-bas, tout était différent des maisons que j'ai vues à l'entrée du ciel. Bon, au plus qu'on avançait vers le trône de Dieu, plus les maisons, ça changeait, c'est-à-dire ça devenait plus meilleur, plus décoré, plus exceptionnel. Et plus il y avait la puissance de Dieu, plus qui ancrait en nous. Et le frère qui était avec moi, bon, dans la vision, c'était comme si j'avançais devant et le frère, c'était comme qu'on travaille ensemble. Donc, moi, j'étais devant lui, il était derrière moi. Il y avait la puissance à cet endroit-là. Donc, maintenant, là, tu pouvais t'approcher seulement si la puissance que tu as en toi peut t'accorder de t'approcher vers Dieu. Donc, c'était quelque chose que tu ne peux qu'aller près de Dieu, sauf si Dieu t'accorde. Donc, le frère qui était derrière moi a commencé à parler, il était dans la joie, il était content. Et moi aussi, je suivais l'ange, j'avançais, j'étais debout. Et nous sommes arrivés directement devant le temple de Dieu. Je veux dire son temple, je veux dire son trône. Il y avait des gens aussi qui étaient un peu assis à côté là. Directement, l'ange, je voyais là, ouvert la porte. Et j'ai compris la voix de Dieu me dit, il dit, je suis le Dieu d'Israël. Je n'ai changé, je ne change pas, je suis le même. Il me dit, depuis le jour que j'ai fait sortir mon peuple d'Israël en Égypte, ils sont toujours rebellés contre moi. Ils n'ont jamais écouté ma parole. Et quand il a commencé à parler, au début, il y avait des gens qui étaient assis un peu de partout là. L'endroit, quand il parlait, l'endroit tremblait. J'ai vu que les gens qui étaient un peu à côté sont levés. Chacun a commencé à se reculer, c'est-à-dire aller un peu plus loin là. Parce que quand il parlait, l'endroit là, ça vibrait tout. Il y avait la puissance de Dieu qui était là-bas là. Et moi, j'observais. Quand il parlait, la place tremblait, il y avait la force, la puissance. Voilà pourquoi la plupart des gens se reculaient. Il m'a dit que depuis que j'ai fait sortir mon peuple Israël en Égypte, ils ne font que se rebeller contre moi. Ils n'obéissent pas à ma parole. Ils se rebellent, ils font tout pour mériter. Il me dit, va et dis-leur. Il dit que je suis le Dieu et je n'ai jamais changé. Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Et là, je me suis rendu compte que j'étais avec le Dieu qui a donné le message à Moïse, le Dieu qui était dans le feu, le même Dieu qui a parlé au prophète Jérémie et tous les prophètes dans la Bible. J'étais face à lui. Quand après, il m'a dit, va et dis au peuple de changer la façon de vivre et de me reconnaître comme Dieu et d'abandonner tous les idoles et de se tourner vers moi et de s'aimer les uns les autres. Sinon, il dit, je suis en train de venir avec un jugement. Il s'est tourné, il m'a montré un endroit. C'était la vallée de la mort. C'est-à-dire la vallée, c'était la place du jugement. Et il m'a montré l'endroit du jugement. C'était un endroit, c'était comme ça réclamait les gens. C'était un endroit démonique qui absorbait les gens, qui réclamait vengeance pour le sang versé innocent. C'était un endroit qui était mauvais, démonique. Un endroit qui était vivant, un endroit qui était là, comme un endroit, je ne sais pas comment je vais vous parler de cet endroit, un endroit démonique qui réclame le sang, qui réclame vengeance, qui ne veut pas pardonner, un endroit qui est là pour punir, dont il a été créé pour punir. Et ce n'était pas juste une punition qu'on te dit, tu souffres, non. Son rôle, il a été créé pour punir, c'est-à-dire pour faire que du mal. Donc l'endroit là, son rôle, pour lui faire plaisir, c'est de faire du mal aux humains. Donc le Seigneur m'a dit que l'endroit que tu vois là, c'est la vallée du jugement. Il m'a montré un grand feu. Cet endroit-là, ça brûle. S'il y avait un feu là-bas vivant, c'est pas les feux qu'on a sur la terre, là, les simples feux qu'on allume là. C'est un feu vivant, un feu esprit, un feu qui est sur autorité, un feu qui est là, qui
qui est là, il dit, bon, mon rôle, c'est de brûler. C'est-à-dire un feu comme ça qui dit, je vais brûler et c'est ça qui me donne la joie de détruire et de brûler. Il m'a montré cet endroit. Il m'a dit, va et dis au peuple d'Israël. Et vous savez, là, j'ai compris que j'étais devant le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre. Vous savez, moi, je suis allé au ciel plusieurs fois. J'ai fait beaucoup de témoignages. J'ai parlé de l'enfer, j'ai parlé du ciel. D'habitude, je vais dans le ciel. Parfois, quand je suis dans le ciel, Seigneur Jésus-Christ, on se rencontre quelque part. Donc, ce n'est pas chaque fois que je vais devant le trône de Dieu. Mais cette fois-ci, le Seigneur Jésus-Christ m'a amené devant le trône du Père, le Dieu Tout-Puissant. C'est pour vous dire, repentez-vous. Tournez-vous à Dieu. Adorez le seul vrai Dieu et rendez-lui gloire. Soumettez-vous à lui. Ne vous tournez plus pour adorer les idoles. N'allez plus chez les sorciers. N'allez plus dans la franc-maçon. Ne tuez plus les innocents. La Bible nous dit, le premier commandement que Dieu nous a donné, c'est quoi? Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ça, c'est le premier commandement. Le deuxième, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire ne fais pas du mal aux autres. Respecte ton prochain. Quand tu vois quelqu'un qui a faim, donne-lui à manger. Quand tu vois quelqu'un qui manque de vêtements, donne-lui les vêtements. Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire si tu vois quelqu'un qui habite dehors là, qui dort dans la rue et que tu sais que tu as une place que tu peux l'accorder, qui peut dormir chez toi ou tu as une chambre pour lui, amène-le chez toi, donne-lui les vêtements, donne-lui un endroit là où il peut habiter. Quand tu fais ça, ça veut dire que tu obéis à la parole de Dieu. Tout ce que vous êtes dehors là, t'es en train de chasser les démons, t'es en train de dire que vous êtes en train de vous délivrer les uns les autres. Ça, ce n'est pas le message de Dieu. Le message de Dieu, c'est tournez-vous vers le vrai Dieu. Repentez-vous. Repentant, ça veut dire abandonnez toutes vos pratiques de sorcellerie que vous êtes dedans. Aimez-vous les uns les autres. Si vous ne faites pas ça, Dieu va tout vous détruire. Parce que quand il m'a parlé, l'endroit vibrait. Les gens même qui étaient dans le ciel, chaque personne se reculait. Ça veut dire que même étant dans le ciel, les gens n'étaient pas à distance. Et pourtant, avant que je ne vienne là-bas, les gens étaient assis normalement. Ils parlaient entre eux, ils s'amusaient. Quand il a commencé à parler, l'endroit a commencé à vibrer. Les gens sont mis à épapier. C'est-à-dire, chaque personne se mettait à distance. Parce que quand Dieu parle dans le ciel, à sa voix, là, ça résonne de quatre côtés. Donc, ça dit, même si tu n'es pas haut, là, tu vas savoir qu'il est en train de parler. C'est comme le tonnerre. Ça vibre. Il m'a dit, je t'envoie, va parler au peuple ci-là. Je me suis retrouvé avec trois personnes. La première personne allait au nord, la deuxième personne allait au sud et moi, je suis allé au centre. Maintenant, devant chaque personne, il y avait comme un champ avec des arbres. Et tous ces arbres-là, tu devais briser ça avec ton corps au fur et à mesure que tu avances. Donc Dieu m'a dit que c'est la persécution qui est devant nous. Et il faut que nous, là, on va avancer avec briser tous ces arbres-là, briser toutes ces persécutions, briser tous ces jugements dont les gens sont en train de jeter contre Dieu, déclarer la parole de Dieu avec la force. Et encore, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, quand tu vas finir ton travail, on va te tuer. Et il m'a dit, j'ai noté le jour sur ma paume de main. Il m'a dit, on va te tuer quand tu vas finir ton travail. Donc là, je suis là, je sais que quand je vais finir mon travail sur la terre, quelque part, on va me tuer. Je ne sais pas comment, mais il m'a dit, quand je vais finir, on va me tuer. Mais ce jour-là, quand on va me tuer, c'est le jour que je vais monter dans le ciel. Le Seigneur Jésus-Christ est maintenant venu, parce qu'on a laissé le trône de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est maintenant venu, il a commencé à me parler. On m'a amené quelque part là où il y a ma maison. Et dans ma maison, je vais vous dire ce qui est dans ma maison. Dans mon parking, il y a un hélicoptère privé, ça c'est pour moi, le Seigneur m'a donné. Il y a quatre voitures à l'intérieur. Une Jeep, une voiture familiale, et une autre grande voiture. Tout ça est dans mon parking. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que tout ça, c'est pour moi. Il m'a remis tout ça. Et il m'a dit d'aller et de prêcher l'évangile que j'ai l'habitude de prêcher. Et l'évangile de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est la repentance. Voici comment ça marche. Quand on vient devant toi, on te dit Jésus est le Fils de Dieu, il est mort pour le pardon des péchés. Tu crois en lui, tu l'acceptes comme Seigneur Sauveur, tu prends le baptême, tu lis sa parole, tu commences à faire tout ce qu'il te demande. Exemple, sa parole dit ne vole pas, ne vole plus, ne commets pas d'adultère, ne commets pas d'adultère, ne va pas chez les sorciers, ne va pas chez les sorciers. Quand tu vois quelqu'un qui a faim, donne-lui à manger. Donne à manger à celui qui a faim. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas de vêtements, donne-lui les vêtements. Si tu vois quelqu'un
qui dort dans la rue, ne te moque pas de lui. Supporte-le plutôt. Donne-lui de l'eau à boire. Cherche-le un endroit pour habiter. Si tu fais ça, ça veut dire que tu connais le seul vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ça, c'est le commandement de Dieu. N'adore pas tes ancêtres. N'entre pas dans la franc-maçon. Si tu fais ça, ça veut dire que tu es en train de faire sa volonté. Et tu serais sauvé. Le Saint-Esprit va t'accompagner et dans ton ministère, dans le travail, parce que tu es en train de faire ce que Dieu te demande. Tu es parfait. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Les gens sont sauvés aujourd'hui là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de chasser les démons. Ils se chassent les démons les uns les autres. Ils accusent les familles en disant que ce sont les familles qui les ont ensorcelées. Ce sont les gens qui les ont rendus pauvres. Ce sont les démons familiales. Ce sont les démons ici, les démons de gauche à droite. Certains gens vont vous enseigner comment ne pas manger ça, porter les vêtements, les chaussures, ne pas sortir à nuit, ne pas aller là-bas. Tous ces enseignements ne viennent pas de Dieu. Ce sont des enseignements démoniques. L'enseignement reste le même enseignement que Dieu a donné à Moïse, à Jérémie, à tous les prophètes dans la Bible. Ça reste le même enseignement. Quand vous regardez les 10 commandements, qu'est-ce que Dieu a dit? Je suis l'Éternel. Aime ton prochain comme toi-même. Ne vole pas, ne commets pas adultère, ne tue pas. Ça reste les principes de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus-Christ est venu? Jésus-Christ a dit, aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que c'est ça aujourd'hui à l'église? Non. Chaque église, chaque pasteur a créé son évangile à lui. Certains se chassent les démons. Ils se chassent les démons les uns les autres. Tous les jours, les démons, la prophétie, l'argent. Tout cet évangile et tout ce prophète que vous voyez donc ne viennent pas de Dieu. Je me suis placé devant le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le même Dieu qui a envoyé Moïse. Il m'a dit la même chose. Il dit que depuis que j'ai fait sortir mon peuple en Égypte, le peuple d'Israël en Égypte, ils n'ont jamais cessé de me rejeter. Il me dit, va et dis-leur. Et là, je me suis rendu compte que j'étais devant le Dieu qui a envoyé Moïse. Et aujourd'hui, je t'appelle, repens-toi. L'endroit du jugement que Dieu m'a montré, c'était un endroit démonique. L'enfer, c'est un endroit qui réclame la chair, ça réclame la vengeance. Laisse-moi te dire, ce n'est même pas que c'est Dieu qui t'envoie là-bas. C'est le sang que tu as versé, ce que tu as fait. C'est ça qui est en train d'être. Ça t'absorbe. Ce n'est pas que Dieu te dit, va là-bas. C'est que quand tu meurs, cet endroit-là, ça te tire. C'est comme un aimant. Ça te prend. Ça t'envoie là-bas dedans. Ce n'est pas que c'est Dieu qui te dit, viens. Non, c'est la vie que tu as menée. Et Dieu ne veut pas ça. Voilà pourquoi il m'a encore commandé aujourd'hui de te dire, toi, chrétien, toi qui as double vie, toi que tu parles à l'église, ton pasteur ne te dit pas, repens-toi. Il te dit plutôt, ce sont les démons. C'est ta famille. C'est ton frère. On t'apprend, vous dites que vous croyez en Jésus-Christ. Mais en même temps là, vous tous, il n'y a personne parmi vous qui connaît vraiment Jésus-Christ. Parce que quand tu connais Jésus-Christ, il te remplit d'amour. C'est-à-dire, connaître Jésus-Christ, c'est juste, il t'apprend juste à savoir vivre avec ton prochain. Savoir comment aider quelqu'un quand il a besoin. Savoir comment donner à manger à quelqu'un quand il a faim. Mais vous croyez en Jésus-Christ, tout ce que vous connaissez, c'est chasser les démons. Et c'est pire parce que vous chassez les démons, ils sont toujours là. Et vous n'êtes jamais délivré. Vous partez des églises en église. Certains prêchent des vêtements, les chaussures, les choses qui n'ont rien à faire. On apprend pas aux gens, le peuple dit, à savoir vivre comme Dieu demande, qui est de l'amour, adorer Dieu, le seul vrai Dieu. Mais les gens adorent tout ce qu'ils veulent. En même temps, ils réclament le jugement. Dieu m'a dit qu'il est en train de venir avec son jugement. Il va nettoyer la terre. Et celui qui m'a dit, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. C'est après, quand on a fini, que le Seigneur Jésus-Christ m'était venu, quand on marchait. Et il a commencé à m'expliquer, le ministère me dit que quand je vais finir, on va me tuer. Vous savez, le disciple n'est pas plus grand que son patron. Vous comprenez un peu? Donc c'est comme ça. C'est que quand je vais finir, mais celui-même qui va me tuer, ça, pour lui, il va penser qu'il m'a tué. Mais ça, c'est le jour que j'atterris dans le royaume de Dieu. Oui, il m'a dit ça. Il m'a dit qu'il a noté, c'est sur sa main, c'est écrit sur la paume de sa main. Et dans le ciel, on m'a nommé gouverneur. Donc quand je quitte la terre, j'entre directement que dans le temple de Dieu, j'ai mon siège assis là-bas. Parce que l'évangile que moi je fais, je ne suis pas l'évangile qu'on prêche là-dehors. Depuis le jour que j'ai connu Jésus-Christ, je l'ai accepté comme Seigneur Sauveur. Quand je marche, si je vois quelqu'un qui a besoin de quelque chose, je cherche à lui donner ce qu'il a besoin. Si je vois quelqu'un qui n'a pas à manger, si je peux, je vais lui donner. Si je vois quelqu'un qui manque une Bible, je vais acheter, lui donner. Si je vois quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas l'argent pour aller à l'église, je vais lui donner le transport de venir à l'église. Si je vois quelqu'un qui me dit que je n'ai pas ceci ou je n'ai pas, je vais chercher à lui donner. L'évangile des démons, de chasser les démons, je ne connais pas ça. Tout ce que je connais,
c'est que j'ai refusé d'aller chez les sorciers, j'ai refusé d'être dans le vol, d'être dans la fornication ou bien je ne sais pas quoi. Même s'il arrive que j'ai fait des erreurs, ça ne viendrait pas de moi, ce n'est pas des choses que j'ai planifiées. Mais tout ce que je fais, c'est de marcher et de faire la volonté de Dieu. Avant que Dieu m'amène au ciel, ce jour-ci, avant-hier, voici ce que j'ai prié. Je disais à Dieu, j'ai prié, je pleurais même, j'ai dit Dieu, tu m'as appelé, tu as dit que je m'en vais prêcher. Voilà tes enfants dehors, tous sont abandonnés. Ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère. N'est-ce pas, tu m'as dit d'aller prêcher. Qui va les nourrir, Seigneur Dieu? Donne-leur à manger, soutiens les pauvres qui pleurent à toi. Seigneur, sauve-le, amène-les dans ton royaume, comme s'ils n'auront plus faim. Et quand je priais comme ça, les larmes coulaient, j'ai dit Seigneur, donne-moi la force de savoir avec quelles paroles les soutenir. Donne-moi l'intelligence, donne-moi la capacité de savoir partager mon pain avec eux. La même nuit d'abord, c'était avant-hier, le Seigneur Jésus-Christ est venu d'abord, il m'a donné d'abord la réponse de ma prière en mettant d'abord ce don-là à l'intérieur de mon cœur. Et après, aujourd'hui, là, voilà qui m'a amené devant le Père. Quelle était ma prière? Père, donne-moi la volonté de partager mon pain avec ceux qui n'en ont pas. Père, sauve les pauvres, ne les laisse pas seuls. Père, apprends-la à te connaître. Père, donne-moi la force de savoir comment évangéliser et soutenir ceux qui sont pauvres. Seigneur Dieu, tu m'as donné de l'argent, donne-moi la possibilité de partager avec ceux qui n'en ont pas. Et cette prière a plu au Père, il m'a amené dans le ciel. Mais combien de personnes prient comme je prie? Vous, quand Dieu vous donne de l'argent, vous allez chercher des superstars, des pasteurs riches. Vous, c'est là où vous partez donner votre argent. Vous allez chercher, laisser des pauvres qui souffrent, au lieu de les soutenir. Vous allez aller donner des voitures aux pasteurs, les soutenir, leur donner des maisons parce qu'ils vous disent qu'ils sont des prophètes. Vous payez votre argent. Vous allez arriver dans le ciel. Vous serez comme le musicien que j'ai vu là. Il était à l'entrée du port. Sa maison était juste à l'entrée du paradis là. Il était là. Il vivait aussi simplement comme ça. Il me racontait sa vie. Il était là simple. Et pourtant, ma maison est conçue au centre-ville. Et je suis toujours près là où il y a la maison d'Abraham. Comment on appelle là? Élie. Comme je vous ai dit, j'ai vu Élie était assis sur un trône. Ma maison est là-bas. Et en même temps, je suis gouverneur dans le ciel. Un gouverneur dans le ciel, ici sur la terre, il n'a pas un titre de prophète. Je n'ai jamais prêché. Allez sur ma chaîne YouTube. Je n'ai jamais prêché les démons là-bas. Et pourtant, j'ai une église. À l'église, le dimanche, parfois, c'est moi qui prépare chez moi à la maison. Je porte, je m'en vais à l'église. Quand on finit l'église, je donne ça aux membres de l'église. Je ne connais pas ce qu'on dit demander l'argent à quelqu'un. Ça n'a jamais existé. Dieu me soutient. Quand il me donne l'argent, première des choses qui viennent dans ma tête, je cherche des pauvres, je les aide. Même s'il arrive, je vais aider un pasteur. Je vais chercher les pasteurs recrutés, ceux qui vivent dans les... qui sont abandonnés à eux-mêmes. Ce sont eux que je supporte. Donc, dans mon cœur, je ne cherche pas la gloire. Je ne cherche pas à aller dans des églises superstars. Je fuis cet endroit-là. Quand j'ai mon argent, première des choses, j'appelle les pauvres. C'est avec eux que je partage. Et dans ça, Dieu m'a aimé, il m'a choisi, il m'a oint. Et il m'a donné la chaise du gouverneur dans le ciel. Il m'a donné des récompenses, une maison exceptionnelle dans le ciel. Je dis ça pour t'encourager, pas parce que je veux me faire voir. La Bible dit, réjouissez-vous pour vos richesses que vous avez dans le ciel. Oui, je suis content. Vous vous réjouissez sur la terre, mais moi je vous dis des choses que Dieu m'a données dans le ciel. J'ai un hélicoptère privé dans mon parking, dans le ciel, c'est pour moi. Et cet hélicoptère, qu'est-ce que je fais avec? C'est ça, quand je serai dans le ciel, ça va me permettre de me déplacer, peut-être quand je vais aller adorer Dieu, quand il y aurait peut-être des réunions, je ne sais pas de quoi, parce que gouverneur, il faut diriger. Jésus a dit, je te nomme gouverneur de 10 villes ou de telles, il faut diriger. Il y a les millions de gens au ciel, tous ces gens-là, il faut diriger. Il a dit, ceux qui vaincront s'assureront sur des sièges pour juger. Donc j'ai mon siège là-bas. Et si je vous dis comment ça fait pour qu'on me donne, vous n'allez pas croire. Il y a des prières, quand tu agresses à Dieu, quand ça vient du cœur, ça bouge le ciel. Mais ces prières-là, ce sont des prières que cela comprend. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, tu ne comprends pas. Quand tu te places devant Dieu, avant de prier, fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Ça peut te donner la vie, comme ça peut te donner la mort. 3 jours seulement. Ouf, il y a de cela. C'était ma prière. Ça a plu à Dieu que le Père m'a appelé dans le ciel. Je ne lui demandais pas de me donner l'argent. Je ne lui demandais pas de me rendre prophète, ni de me donner le pouvoir pour que je fasse le miracle. Je lui dis, Père, voilà tes enfants qui sont en route. N'est-ce pas, tu m'as dit de les rassembler. Donne-moi alors la sagesse de les rassembler. Père, donne-moi la possibilité de les nourrir. C'était ma prière. La même nuit, Jésus est venu.
Donc, chrétien, je vous encourage, repentez-vous, adorez Dieu, sortez dans vos systèmes des démons que ces gens sont dehors tant que vous enseignez aujourd'hui. On ne vous apprend pas l'amour du seul vrai Dieu. Quel est le commandement que Dieu a donné à Moïse du début jusqu'à la fin? Aime le Seigneur ton Dieu, adore lui seul. Et le deuxième, aime ton prochain. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est le commandement que je vous donne. C'est bon si tu comprends. Si tu ne comprends pas, vous allez arriver au ciel là, même étant sauvé. Peut-être, c'est comme le musicien qu'on m'a montré au ciel là. Ils sont au portail là-bas. On les a donné un petit appartement, ils vivent là-bas. Mais à côté de Dieu, au centre-ville là, c'est là où les Élie sont, les Jérémie, les Ézéchiel, les David. Et comme je vous ai dit, dans mes témoins, j'ai vu le roi David, j'ai vu Moïse, j'ai vu Élie, j'ai vu Jérémie, j'ai vu Pierre, j'ai vu Jean. Tous, ils m'ont tous salué. Et on m'a donné ma part de siège de gouverneur. La Bible dit, amassez-vous des richesses dans le ciel. C'est ce que je fais tous les jours. Je ne cherche pas la gloire. Donc je dis ça pour vous encourager. Sortez dans vos trucs que vous voulez devenir riche. Vous êtes déjà riche. Partagez ce que vous avez avec les pauvres. Et vous allez amasser des richesses dans le ciel. Et Dieu m'a dit, il est en train de venir avec son jugement. Il va ratisser, il va nettoyer tous les faux pasteurs, les faux prophètes qui sont en train de détourner le peuple de Dieu, qui sont en train d'enseigner les évangiles démoniques. Comme par exemple, comment s'habiller, ne pas porter tel genre de chaussures, mais laisser Jésus qui est le centre, au lieu de dire aux gens que tournez-vous vers Dieu, ou bien abandonnez tout ça, allez commencer à servir. Voir des gens dans la rue, le soutenir. Aidez-le à donner-leur à manger, donnez-leur une Bible, donnez-leur l'argent d'allocation si vous pouvez, donnez-leur petits agents de faire des business. Vous ne faites pas ça. Vous les apprenez comment s'habiller, vous les parlez des chaussures, vous les parlez. Il y a tout ce que vous dites, ça ne vient ni de Moïse, ni de Jésus-Christ, ni aucun prophète. Les prophètes dans la Bible, quel était le message? Repentez-vous, cessez de tuer les innocents. Aujourd'hui, démon. Prophétie, c'est toi qui es sorcier, ta maman est sorcier, ton père est sorcier. Voilà l'évangile. Et on trouve, il y a des bandes de gens qui ont la tête, ils semblent être spirituels, qui suivent ça, mais sont tous des aveugles, qui n'ont ni esprit de Dieu, ni discernement. Du jugement, tu ne verras aucun démon. Tu vas répondre à Dieu toi-même. Tu seras responsable de tes actes. Tu ne verras aucun démon là-bas devant Dieu. Aujourd'hui, vous connaissez les démons, mais ce jour-là, je vais voir si tu vas dire à Dieu que c'était les démons. L'évangile que je te donne, sur ma page YouTube, j'ai dit que si quelqu'un suit mes enseignements que je mets là-bas, il arrivera au ciel, pas seulement arriver avec les acclamations, parce que par la grâce de Dieu, je suis toujours devant l'Éternel. Donc, je vous encourage, tournez-vous vers le vrai Dieu et vous serez sauvés. Que Dieu vous garde.